Et salut les mecs, on se retrouve dans un nouvel épisode, comment fabriquer son bar top soi-même. Donc aujourd'hui, on va percer les trous pour mettre nos boutons, mettre les adhésifs décoratifs. On va faire un petit peu de peinture. Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, ça va être surtout axé sur la décoration. Je m'excuse d'avance pour le début de la vidéo qui est toute floue. Ça dure pas longtemps, mais je suis désolé, je peux pas retourner puisque maintenant c'est fait, c'est fait. C'est pour ça que là, je retourne l'introduction dans mon bureau et pas à la place habituelle où je bricole. Donc, n'hésitez pas quand même à lâcher des gros likes pour m'encourager et à mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, on y va les gars. Alors les mecs, on va venir peindre notre borne, enfin notre bar top, à tous les endroits qui seront apparents. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai pas peint cette face-là parce que là, on aura le stickers. J'ai donc peint l'intérieur ici parce que là, je sais qu'il va y avoir une bande qui va être apparente. J'ai peint aussi toutes les arêtes parce que des fois, avec le T-molding, il suffit qu'ils soient un tout petit peu décalés. On voit le bois, ça fait pas très beau. Alors, rappelez-vous, on avait pris les marques pour ici venir mettre le tasseau. Donc moi, je suis venu faire des petits avant-trous, puisque forcément, les marques, elles vont être cachées par la peinture, pour après, pas galérer pour mettre le panel, pardon. Je suis venu également peindre le dessus, hein, puisque le dessus, c'est pareil, il n'y aura pas de sticker. Comme vous voyez, je suis venu mettre une réglette. Donc pour mettre la réglette, il a fallu que je perce pour passer le fil. J'ai fixé la réglette. Donc, chose importante pour l'éclairage, les amis. Il faut absolument que ce soit du LED. Parce que sinon, ça va trop chauffer et ça risque de gondoler votre plexiglas qui viendra là sur le marquis. Donc, soit vous mettez une réglette comme ça, soit vous pouvez mettre un petit spot LED. Pour voir comment on met le spot LED, etc. Vous pouvez aller voir mes précédentes vidéos quand j'avais fait le grand bar top. Là, j'avais mis un spot LED. Et c'est pareil. Dans mes précédentes bornes d'arcade, je n'avais pas fait de peinture. J'avais fait avec un adhésif décoratif noir mat. Là, j'avais envie de changer, je voulais faire plus simple. Mais si vous préférez mettre de l'adhésif noir mat, pareil, allez voir mes précédentes vidéos. Je vous montre comment on le pose, etc. Après, ce n'est pas bien compliqué, mais ça peut vous donner d'autres idées. Donc ça, on va mettre ça de côté. Et ensuite, on va prendre donc notre panel. Et puis, on va déjà venir y faire les trous. Donc, les trous, ils ne sont pas placés au hasard. D'ailleurs, donc là, ce sera comme ça, hein, face vers vous pour jouer. Donc, en fait, sur un site, j'avais trouvé plusieurs façons de disposer les boutons. Et puis, vous voyez, je m'en étais fait des copies. Ce qui fait qu'après, moi, je viens les reporter, je trace et puis je découpe. Donc là, je m'en étais fait plusieurs photocopies. Je vous mettrai le lien dans la description du site. Je vais essayer de le retrouver. Pour faire les trous, on utilise une mèche comme ça. Donc, il faut une mèche de 28 qui correspond au trou de mes boutons. Voilà, tout simplement. Ensuite, chose importante. Derrière, vous voyez, je suis venu placer mes tasseaux pour après pouvoir le fixer. Je ne voulais pas que les vis se voient du panel. C'est pour ça qu'on a fait les avant-trous d'ailleurs. Quand vous prenez une poire, vous voyez la poire, elle a quand même une. En dessous, c'est quand même assez large. Donc il faut calculer pour que la base de notre poire, elle soit pas dans le tasseau. Donc vous voyez, moi j'ai calculé et j'ai vu qu'il fallait que je prenne une petite marge. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, on va passer à la face. Donc là, il va y avoir nos boutons joueur 1, joueur 2, hotkey, crédit 1. Crédit 2. Donc là, c'est tout bête. Hein. Notre planche a fait 54. Et moi, je suis venu faire tous les 9 cm un trou. Donc à la moitié, j'ai fait le trou du hotkey. Et ensuite, 9 cm joueur 1, 9 cm crédit 1, le hotkey, 9 cm joueur 2, 9 cm crédit 2. Voilà, c'est tout simple. Derrière, je suis venu, pareil, placer mes tasseaux en prenant toujours de la marge en haut et en bas. Et puis voilà. Alors faites attention à ne pas les mettre trop bas, puisque après,
ça peut vous gêner pour les raccorder. Vous voyez, si vous avez le bouton ici, et puis celui d'en dessous bah, qui est là, vous voyez, il se rend compte. Donc là, suffisamment de marge, comme ça, il n'y a pas de souci. Autre chose, moi, je les ai fixés entre eux. Alors, c'est mieux. Après, c'est pas obligatoire, vous pouvez les fixer un par un. De toute façon, même si ici, même si l'angle, ça tombe pas exactement pareil, c'est pas grave, puisque là, on viendra y mettre une baguette. Et bon, on va maintenant passer à un truc super sympa. On va venir bah, mettre les adhésifs. Donc les mecs, je me suis aperçu que en fait mon adhésif pour la face avant était un peu trop court. Je sais pas ce que j'ai foutu. Du coup c'est pas grave, j'ai peint des bandes. Hein. Puis on va venir coller. Donc on va déjà retirer les parties blanches qui sont pas très belles. Donc là, une lame très bien aiguisée et puis on va couper ça. Une autre chose qui est super importante les mecs, c'est qu'il faut absolument que ce soit bien dépoussiéré. Donc là, chiffon humide. Et donc on va venir l'appliquer. Donc là, c'est bon. Et du coup, on va venir couper le bord qui dépasse. Bon voilà, le sticker est posé. On va maintenant venir découper l'endroit où il va y avoir les boutons. Hein, une lame qui coupe très bien. Donc moi, c'est une lame de scalpel. Hein, parce que voilà, j'en ai. Donc je m'en sers. Donc c'est pas grave si c'est pas net net, puisque après avec les boutons, de toute façon, on verra pas le bord. Hein. Il y a une petite rosace autour. Voilà les mecs. Et on va maintenant venir poser la même chose sur le panel. Voilà les mecs, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ça fait super beau. Voilà, on va maintenant venir mettre bah, les boutons en place. Donc bah, là je sais que j'ai mon hotkey, hop, j'ai mon joueur 2 et qui est là. Puis après en dessous on vient simplement bah, mettre les bagues en serrant suffisamment pour que ça maintienne, mais aucun intérêt de serrer comme un sauvage non plus. Hein. Et ben voilà, ben on va faire ça pour tout le reste et puis on verra, on se retrouve après. Donc ça y est, ben tous les boutons sont mis. On va maintenant venir mettre nos micro-switch. Hein. Donc là, il n'y a rien de compliqué. Il y a deux trous. Là, il y a deux petits picots. Donc vous ne pouvez pas vous tromper. Le point, ce qui fait le petit bruit là, c'est vers le bas. Et puis voilà, donc on les met tout simplement. Donc le petit vers le petit, celui du bas en premier. Et voilà. Allez, on y va. Voilà. Donc, c'est vraiment le truc le plus simple au monde. C'est juste que c'est un peu long. Quoi. Donc, vous essayez de les orienter tous à peu près dans le même sens pour regrouper vos fils. Ceux-là, on pourra les bouger après. Et puis, du coup, maintenant, on va voir pour fixer eh ben, les poires. Les poires. Donc, pour fixer les poires, il va déjà falloir les désassembler. Donc, en fait, en dessous, vous avez un petit truc en métal qui tient. Et là, il va falloir bah, le faire sortir tout simplement avec un tournevis. C'est rien de bien sorcier, faut juste pas le perdre, sinon c'est la galère. Voilà, petite pièce en métal, ensuite vous avez le petit maintien en plastique, voilà, la poire et la petite rosace. Donc ça, surtout pas perdre. Donc c'est ça qu'on va venir fixer. Et donc vous voyez, on va venir le fixer ici. Alors, bien sûr, il va falloir le centrer. Pour le centrer, moi je prends une feuille, une croix, un repère, une croix. Et puis donc, je vais venir mettre le trou au milieu de la croix. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ici, bah pareil, on va essayer de mettre le milieu. Voilà, là, je suis bien. Et donc, moi, c'est fourni avec des vis. Ce qui n'était pas le cas les fois précédentes. Donc, j'avais mis, les fois précédentes, j'avais donc mis des boulons et des vis. Vous pouvez regarder dans mes précédentes vidéos pour voir comment j'avais fait. Et donc là, on va venir lui mettre ces quatre petites vis. Donc on va bien maintenir pour pas que ça bouge. Donc voilà, la première est mise. Et donc après, on vient lui mettre la petite bague, je vous rappelle, en premier. Tac, on le rentre. Le petit carré,
Là, on vient pousser pour remettre le petit morceau en plastique, en métal. Et voilà les mecs. On fait pareil de l'autre côté, tout simplement. Bah voilà les gars. Donc dites-moi ce que vous en pensez, vous trouvez ça beau? Moi je trouve franchement que c'est... ça fait super classe. Même la bande noire motte, moi ça me choque pas. Donc là je vous rappelle, on viendra mettre une baguette à la fin. N'hésitez pas à lâcher des gros likes les amis. Je vous fais des bisous. Et puis donc à la prochaine. Ciao.